Marguerite, est-ce que tu... Oui. Tu pars déjà? J'ai mon rendez-vous chez Clémenceau ce matin, tu te souviens? De si bonne heure. C'est dans ses habitudes, il paraît. Je suis comment? Très bien, très très bien. J'y vais. Bonjour monsieur, je suis madame Baldensperger. Parfaitement madame. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Pardonnez cette attente, madame. Je vous remercie de me recevoir, monsieur. C'est un grand honneur d'être ici où tout rappelle les grands jours. Les grands jours sont loin. Asseyez-vous, madame. Eh bien, si j'en crois à votre lettre, vous souhaitez me parler d'un livre. Je suis éditrice chez Plon et je dirige une collection d'ouvrages consacrés à des grands personnages de l'histoire. Ce sont des livres destinés à la jeunesse pour lesquels je sollicite les meilleurs écrivains. Alors je me dois de vous dire que je suis déjà tout absorbé par des travaux d'écriture qui me passionnent autant qu'ils m'amusent. Mais ces travaux ne sont peut-être pas incompatibles avec mon projet? Quand je dis que je m'amuse, tout le monde pense à son âge, il exagère. Mais pas vous, madame. Je le vois. Et je vous remercie de votre délicatesse. Cela va peut-être m'aider à vous convaincre. Vous êtes en effet sur le bon chemin. Un nom aussi prestigieux que le vôtre ne peut pas être insensible à ce qu'il peut apporter à la jeunesse. Voulez-vous faire un livre sur la guerre? Non, ça je ne parlerai jamais de la guerre. Vous voyez ces pauvres fleurs? Je les emporterai dans ma tombe. Elles m'ont été données par de jeunes soldats qui allaient monter à l'assaut. Ils allaient tous mourir. Et ils le savaient. Et pourtant, ils étaient fiers de m'offrir cet humble bouquet. Alors la guerre, je n'en parle qu'avec eux. Et avec leurs ombres. Leurs ombres sublimes. Pardonnez-moi, je suis maladroite. Ben non, il n'y a point de maladresse, madame. Et vous avez raison. Cela m'impose le devoir d'aider la jeunesse. Vous pouvez compter sur moi. Je vous suis très reconnaissante, monsieur. Et moi, heureux de voir que nous nous entendons si bien. Mais vous ne m'avez pas parlé de votre mari. Mon mari? Je suis sûr que vous en avez un. Eh bien, mon mari est professeur de littérature. Il vient d'être nommé à la Sorbonne. Ah. Il voyage beaucoup pour ses cours et ses conférences. Un universitaire, oui. Ça, c'est comme les diplomates, je les aime pas beaucoup. Allez, il m'a bien une idée. Amenez-moi donc votre mari.
Clémenceau veut le voir. Il l'a presque exigé. Ça alors. Tu ne veux pas le rencontrer? Non, si, si, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Il veut rencontrer mon mari, Monsieur Fernand Baldensperger. C'est bien toi, non? J'ai cru comprendre que les sujets de conversation ne manqueraient pas. Et dis-moi, est-ce que tu l'as convaincu de faire le livre que tu attends? Sur Abraham Lincoln? Oh non, non, pas Lincoln. Enfin, pourquoi s'en tenir au président américain? C'est vrai, nous avons nos présidents de la République. Pour une collection sur les hommes illustres? Ne me faites pas rire. Vous me voyez vanter les mérites de Poincaré? Faudrait déjà lui en trouver un seul. Et Deschanel, avec sa cafetière fêlée. Ou Fort, qui, comme vous le savez, est mort dans les bras de sa maîtresse. Enfin, remarquez, quand il est entré dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Démosthène. Ce sera lui mon sujet. Démosthène. C'était il y a plus de 1500 ans? 2000. Mais Démosthène est avec nous. Il est avec nous parce qu'il a sauvé sa patrie. Démosthène a sauvé Athènes des lâches et des défaitistes. Alors, on l'a acclamé, redouté, porté au nu, renié, conspué, poussé à la mort. Seulement, c'était une force au-dessus de la désespérance. Un frère d'armes, en somme. Alors, Démosthène. Démosthène. Eh bien, madame, nous voilà en affaire. Et je l'espère en amitié. Mes belles, mais vous êtes chaque jour plus ravissantes. Vous voulez m'enivrer avec votre parfum, séductrice. Moins fort, les piafs, les voisins ont des chats. Patron, Monsieur Leroy est arrivé. Et un, et deux. Et un, et deux. À vous maintenant. Et un, et deux. Et un, et deux. Inspirez, expirez. Très bien. Maintenant, les mains sur les hanches. Et à gauche. À droite. Un petit peu plus à gauche. Et à droite. Un coup à gauche. Un coup à droite. Vous fréquentez Poincaré, le roi. Monsieur le président. Allez, on reprend. À droite et à gauche. Gardez tout. Je crois comprendre pourquoi il tient à me rencontrer. Je pense que par rapport au livre que tu lui demandes, je peux représenter une sorte de caution. Non, ce que je veux dire, c'est que mes titres peuvent le rassurer. Tu vois, les universités américaines, la Sorbonne. Alors voilà les roses. Les roses, les pierres de Ronsard. Roses rouges, hein. Les fleurs. Les fleurs. Ah, si les fleurs n'existaient pas, je les aurais inventées. À vrai dire, c'est mon cher Monet qui les aurait créées. D'ailleurs, ces roses rouges, elles viennent de chez lui. C'est une grande chance d'être l'ami d'un homme comme celui-là. Il est plus qu'un grand peintre. Un magicien, un vieux sensu. Vous ne trouvez pas étrange
qu'un type comme moi aime les jardins. Un type comme vous, c'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire un tigre sanguinaire. Ouais, on voit bien que vous connaissez pas Briand. L'immaculé Aristide qui répète partout que je n'étais qu'un assoiffé de sang. Enfin, c'est pas en bêlant la paix, avec le troupeau qu'on arrête les Prussiens. Le Boche regarde la guerre avec sang-froid, ce qui veut dire qu'il la prépare. Le Français, lui, il commence à y penser le jour de la mobilisation. Je suis un enfant de l'Alsace, monsieur le Président. Mais sans vous, eh bien, l'Alsace et la Lorraine seraient toujours aux mains de l'ennemi. Vous nous avez rendu notre patrie et notre honneur. J'espère que ça n'aura pas servi à rien. Aujourd'hui, nos gouvernants se prosternent devant l'Allemagne. La France fait partie des vainqueurs. Nous avons même le traité de Versailles. Bon, le traité de Versailles. Alors, il y a ceux qui disaient que j'étais trop dur avec l'Allemagne, et ceux qui pensaient que j'étais trop tendre. Les mêmes, d'ailleurs, qui n'ont toujours pas compris qu'un traité, vous en occupez davantage une fois qu'on l'a signé. Non, parlez-moi plutôt de l'Alsace. Eh bien, j'ai fait une partie de la guerre, et puis nous y avons vécu. Voilà, ma femme a dû vous le dire. Elle a créé une œuvre du livre français en Alsace et en Lorraine. Ah, mais non, elle ne m'en a rien dit. Je ne vous ai pas demandé, vous avez des enfants? 3 enfants, oui. Ils sont tous les 3 à Saint-Dié, avec notre famille. J'aimerais revoir votre jardin. Mais je vous en prie. Merci. J'attends votre visite. On a dit jeudi en 8, ne l'oubliez pas. Et puisque ça semble vous intéresser, je vous enverrai mon discours contre la colonisation. Oui, celui que j'ai tenu il y a presque 40 ans. Face à Jules Ferry et à tous ces cons persuadés qu'il y a des nations supérieures à d'autres. Ma bêtise. Non mais, monsieur le Président, je ne sais pas comment vous dire ma gratitude. En veillant sur notre Marguerite. Merci. Au revoir. Je vous trouve en très bonne forme, Président. Oui, depuis quelque temps, j'ai mal nulle part. C'est inquiétant. Je féliciterai votre professeur de gymnastique. Pour tout vous dire, c'est le travail qui me maintient. Particulièrement, d'ailleurs, le livre que j'envisage. Vous n'avez pas terminé votre barge philosophique, il me semble. Je peux faire les deux. Vous n'aviez pas aussi un projet sur Monet? Je peux faire les 3. Enfin, soyez logique, Pietri. Vous venez de me dire que vous me trouviez en pleine forme. Alors. Vous avez raison. Démosthène. Ce sera mon sujet. Une demande. Une dame. Qui m'intrigue. Si je peux me permettre, monsieur le Président, depuis que je vous accompagne à ces promenades, je vous ai jamais vu aussi en forme. Oh, bah vous aussi. Et tout le monde me dit que sans mon âge et ma moustache blanche, j'aurais l'air d'une petite jeunesse de 20 ans. Mon cher Pietri, à la prochaine. Au revoir, monsieur le Président. Thank you.
Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le Président va être heureux de vous voir. Merci. Mon mari a été enchanté de vous rencontrer. Vos conversations sur l'Allemagne l'ont beaucoup marqué. Là, il est parti pour une série de conférences à l'étranger. Les universités le demandent régulièrement. Peut-être voulez-vous que nous parlions de Démosthène. C'est de vous dont nous devons parler. De moi ? Vous n'imaginez pas combien ces jours où je vous ai attendu ont été longs. Voilà pourquoi je dois savoir ce qui s'est passé la dernière fois que vous êtes venu avec votre mari. Non, je ne comprends pas. Mais si. Mais si, vous comprenez. Pourquoi vous êtes-vous enfui dans le jardin soudainement ? Mon mari vous a dit que nous avions 3 enfants. Il n'a pas voulu vous parler d'Annette, notre aînée. Nous l'avons perdue l'an dernier. Elle allait avoir 18 ans. Qu'est-il arrivé ? Un après-midi, elle a quitté la maison que nous habitions à Strasbourg. Elle n'est jamais rentrée. Elle a disparu. Nous sommes allés près de la rivière pour la chercher. Des voisins sont venus nous aider. Pendant des jours et des nuits, nous avons attendu. Nous avons espéré. Annette allait revenir. Les enfants avaient peur. Ils ne comprenaient pas. On a eu beaucoup de soutien et aussi beaucoup de malveillance et de méchanceté. Les enquêteurs étaient aussi désemparés que nous, alors ils nous ont conseillé de faire paraître une annonce dans les journaux et de proposer une prime à qui nous donnerait des informations sérieuses pour la retrouver. Le 31 mars, le corps d'Annette a été retrouvé dans la rivière à quelques kilomètres en aval. On nous a dit qu'il n'y avait aucune trace de violence ni de blessure. La petite fille est entrée dans la rivière parce qu'elle l'a décidé. Qu'a-t-elle ressenti à ce moment-là ? Est-ce qu'elle m'a appelée ? Moi, j'étais pas là. J'étais pas là. Je sais que j'aurais pu empêcher ma fille de se suicider. Au fond de moi, je sais que j'aurais pu l'empêcher. Ne vous faites pas de stupides reproches. Ne me dites pas que c'est votre faute. Vous n'avez pas su garder votre enfant. On ne garde jamais les enfants. Vous avez fait ce que toute mère aurait fait. Non. Non. Ce jour-là, on s'est disputé. Elle avait une liaison avec un pasteur, un homme marié, plus âgé qu'elle. Elle était amoureuse. Et moi, je l'ai menacée de tout raconter à son père. Moi, j'ai eu des mots très durs. Je les regretterai toute ma vie. Où la mort a passé le dernier mot, il dit pour toujours. Vous ne pouvez pas l'oublier. Et surtout, vous ne devez pas l'oublier, au contraire. Il faut que cette souffrance agisse comme un ressort qui vous aide à vous redresser.
et faire face. Mais comment ? Donnez-moi votre main. Donnez-moi. Il faut reprendre goût à la vie. Je vous aiderai. Je vous aiderai à vivre, Marguerite. Et vous ? Vous m'aiderez à mourir. C'est notre pacte. Me voulez-vous ? Nous sommes convenus de nous écrire. Pas seulement lorsque je serai à Saint-Dié où je pars demain, mais de quelque endroit où je me trouverai, y compris Paris. Cette idée me fait du bien. Mais une lettre par jour sera-t-elle suffisante ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais le courrier n'arrive pas régulièrement ces temps-ci. Vous n'avez pas remarqué ? Moi, vous savez, monsieur le Président, je n'en reçois pas beaucoup. Je ne peux pas bien me rendre compte. Chaque matin, je reçois des tas de lettres que je n'attends pas, mais pas assez souvent celles que j'attends. Le problème est là. Mon vieil ours, voilà enfin, hein. Oh, je suis en retard. Blanche a prévu un gigot. Oh, mais nous ne le ferons pas attendre. Je suis bien heureux de vous voir, mon cher Monet. Mon vieil Iris. Venez d'abord dans mon atelier, j'ai des choses à vous montrer. Monet, je connais ce regard. Vous allez encore me dire que vous ne pouvez pas terminer les panneaux des nymphéas. Ceux qui doivent aller à l'orangerie, oui. Vous avez généreusement offert à la France. Un cadeau qui ne se reprend pas. Vous les terminerez. Si vous avez besoin d'un nouveau délai, je vous le ferai accorder, je vous l'ai déjà dit. Les yeux refusent. Les yeux voient des taches. Pas des couleurs. La lumière me fuit. Ça veut dire qu'une autre opération pour guérir cette cataracte est nécessaire. Eh bien, nous la ferons. Ouais. Jamais. Oui, pour jamais. C'est moi qui commande. Mon diplôme de docteur en médecine est toujours valable. Ah. Oui, je vous soignerai malgré vous. Et vous savez pourquoi, Claude Monet ? Parce que vous êtes mon très vieux petit bébé. Mmh. Voilà. Pas en vieillerie, justement. Non. Justement, non, mais quelle sorte de médecin serez-vous ? Depuis le temps que vous n'avez pas exercé. Il est très loin. Le temps du petit dispensaire à Montmartre, vous soignez les pauvres gens. Hein. Médecin, j'étais. Médecin, je reste. Voilà. Moi, j'ai vieilli, mais je n'ai rien oublié. Et d'ailleurs, n'ai-je pas continué d'une façon différente, certes, à travers ma politique, à me soucier des gens ? Je voudrais me passer de vous, mais je peux pas. Je ne veux pas d'autres vieilles badernes. Très bien. Alors commençons tout de suite. Je veux que vous arrêtiez de fumer. Après le gigot. Oh. Oh. Après le gigot. Oh. Il pleut de la neige.
que vous êtes parti. J'essaie de vous aimer, moi. Je ne peux pas. Je suis à vous. Déraisonnablement. Georges ne supporte pas que je sois à Saint-Dié, loin de lui. Ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a fait pleurer. Il est en colère parce que je lui demande de détruire mes lettres par crainte des rumeurs et des médisances. Il me reproche d'être trop bourgeoise, trop popote, trop confiture et autres gentillesses. Bon, les enfants, Pierre, sois gentil avec ta sœur. Mais c'est tout le temps moi. Mais cet après-midi, j'en ai reçu une autre si belle, si tendre, qui se termine par « Je suis à vous déraisonnablement ». Comment lui résister ? Albert, vous direz à votre future femme que sa blanquette finira par me faire croire en Dieu. Merci, patron. Quand même. Bonjour, madame. Merci, Albert. Tout va bien ? Mais très bien, madame. Bonjour, père. Vous ne m'aviez pas invité à déjeuner ? Si. Mais 12h30, c'est 12h30. Et là ? Il est 12h34, j'en conviens. Vous avez l'air d'humeur exquise aujourd'hui. L'heure, c'est l'heure, ma fille. Et ça n'est pas un militaire qui te le dit. Sachant ce que vous pensez des militaires, je me permets de sourire. Les militaires. Militaires sont très bien. Simplement, c'est dommage qu'on puisse pas se passer d'eux pour faire la guerre. Je dis les militaires, je pourrais tout aussi bien dire des diplomates, des fonctionnaires, des politiciens. Non, n'oublie pas les curés. Je ne suis pas sûre que vous m'ayez conviée pour parler de religion. Je vais écrire un livre sur Démosthène. Le sujet du livre, d'ailleurs, n'a pas grande importance, mais la personne qui me l'a demandé mérite qu'on s'y intéresse. Pendant que tu la rencontres. Démosthène n'est pas ma spécialité, père. Cette dame a connu... Démosthène ? Un grand malheur. Et je l'aide à s'en sortir. Comme elle t'aidera, quand je serai plus là. À mettre en ordre ce que j'ai écrit, ou ce que j'ai fait. Ou bien se préparer, je suis pas éternel. Hein? Mais, en attendant, je me dois d'aider Marguerite. C'est ce que j'ai décidé. Elle s'appelle donc Marguerite. Elle a un prénom ravissant, tu trouves pas ? Surtout quand, comme vous, on aime autant les fleurs. Je veux savoir si ce voyage dans les Vosges vous a fait du bien, ou si j'ai souffert de martyr pour rien. Alors ? Cette pâle. Trop. Les beaux jours arrangeons cela. Les beaux jours, oui. À condition que ce soit chez moi. Face à l'océan.
Je suis peut-être pâle, mais je suis heureuse. Je suis heureuse que vous m'emmeniez chez Blanche et Monsieur Monet. Impressionnant, n'est-ce pas? Oui. Si je vous disais que Monet a rapporté ses premières estampes japonaises de Hollande, et depuis, il n'a cessé d'enrichir sa collection. Il en possède aujourd'hui 231. 231. Blanche, ce tableau est de vous? Ce n'est rien. Enfin, pas grand-chose. Ah non, mais c'est très beau. Mais vous êtes un peintre, Blanche. Je m'amuse, c'est tout. Le seul peintre ici, c'est mon beau-père. C'est Monet. Monsieur Monet se met-il au piano ou vous-même? Non. Et les enfants de ma sœur Suzanne aimaient bien jouer. Mais ils sont grands maintenant. En tout cas, le piano est toujours accordé. Monet y tient. Il dit que les notes sont comme les couleurs. Il faut qu'elles soient justes. C'est vrai. Êtes-vous pianiste? Non. J'ai fait du solfège et du piano quand j'étais plus jeune, mais depuis le drame, je... Le drame? Ma fille est morte l'an dernier. Elle jouait si bien. C'était une artiste. Chopin, Schumann. Il y avait cet air qu'elle jouait de toute son âme. Comme si elle savait ce qu'allait lui arriver. Est-ce que vous voulez jouer? Je n'oublierai jamais cette journée.
J'étais pleine d'une douceur inconnue. Et surtout, pour la première fois depuis si longtemps, je ne me suis pas sentie abandonnée. Bien pensif, Président. Il s'est passé quelque chose quand elle était au piano. Sous ses doigts, là, la pavane sonnait comme quelque chose qui dépasse les humains que nous sommes et qui les guérit. Je crois que c'est ce qu'on appelle la grâce. Oui. La grâce. Oui, la grâce. Eh oui. Eh oui, mon cher Pietri. Vous ne rêvez pas. C'est bien ce vieil athée de Clémenceau qui vous parle comme ça. N'importe qui verrait que vous êtes sincère, Président. Peut-être plus que vous ne l'avez jamais été. Bon. Ne faites pas de moi un sentimental, c'est déjà assez difficile comme ça. Qu'est-ce qui est difficile ? Pensez que je vais passer l'été loin de tout. Dans votre Vendée, face à la mer. Mais c'est pas loin du tout, voyons. Et je parie que vous allez donner de l'ouvrage au facteur. Mais oui. Ah oui, parlons-en. Parlons-en. Pas une lettre d'elle ce matin. Elle a certainement dû vous écrire. Et puisque je vous dis que je n'ai rien reçu. Oh. Avez-vous pu travailler à votre Démosthène ? Bon. Démosthène. C'est le cadet de mes soucis, Démosthène. Démosthène. Ah. Voilà, voilà où j'en suis avec Démosthène. C'est quelques notes, pas davantage. Je suis perturbé. Je sais que vous avez d'autres travaux en cours. Non, je ne parlais pas de ça. Venez, venez voir. Venez. Vous m'avez demandé trois fois si je détruisais bien vos lettres. Alors voilà. Voilà l'auto-da-fé. Toutes ces jolies choses que je ne pourrai jamais relire. Vous savez que c'est le prix à payer pour le respect que je dois à ma famille. J'ai l'impression que ces lettres m'engagent au-delà de ce qui m'est permis. Dites-moi que vous me comprenez. Et moi, je veux que vous compreniez que cette lettre que je vous supplie de m'écrire chaque jour, vous en avez besoin. Autant que j'en ai besoin. Alors, bien sûr, une lettre de vous réchauffe ma vieille carcasse. Bien sûr, avant même de la lire, j'aime regarder votre écriture qui ressemble à des petites billes roulantes. Mais surtout, surtout, cette lettre, c'est la vie. Et j'ai fait le serment de vous aider à vivre. Et c'est pas filer la vie, Marguerite. C'est Monet qui a raison, le noir arrive toujours trop tôt. Les couleurs, uniquement les couleurs. Alors vivez! J'avais déjà fait refleurir le vieux chardon desséché que j'étais, mais toute cette lumière qui est en vous, il faut d'abord qu'elle profite à vous-même. Comprenez ? Qu'elle vous éclaire. Mon père et mes enfants aimeraient vous connaître. Je leur ai tellement parlé de vous. Pourquoi ne viendriez-vous pas à Saint-Dié ? Pourquoi ne viendriez-vous pas en Vendée ? Et réfléchissez. La prochaine fois que vous me prendrez dans vos bras, je pourrai refuser d'en sortir.
bien. Vous êtes divine, ma chère. Merci. Quarante-et-une lettres. Vous vous fatiguez pour rien, patron. Et encore. J'ai fait court. Je suis mis à 3h du matin. Tout ça pour répondre à des demandeurs de recommandations et de médailles que vous envoyez promener. Eh bien, mon brave Albert, vous venez me donner une idée. Ah. Ah oui. Au lieu de répondre que je ne distribue pas les distinctions, dorénavant, je dirais que je fais suivre chez Poincaré. Voilà. Ah, ça fera à cette patte molle une occasion supplémentaire de me détester. Alors, le roi toujours ponctuel, c'est bien. Bon, Albert, débarrassez-moi vite tout ça. Je vais ouvrir d'abord. Hélas, oui. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Inspirez. Et deux. Et on tient. Et on lâche. Très bien. Grande forme, monsieur le président. Je fais des provisions de santé. Pensez donc. Je reçois mes deux âmes tout à l'heure. Marguerite. Et après, Monet. Marguerite, j'arrive et vous partez. Je ne vous chasse pas, j'espère. Non, non, je suis attendue. Et je crois que notre ami vous veut pour lui tout seul. C'est bien dommage. Embrassez Blanche pour moi. Vous avez raison, elle est très belle. Dites-moi, on dirait que votre vie va beaucoup mieux. Elle est bien jeune pour un vieil ours. À nous deux, nous avons 123 ans. Il est également réparti. Qu'est-ce que vous faites de son mari? J'en fais un ami. Et elle lui répare le cœur jusqu'à ce que le mien cesse de battre. Vous avez un cœur à présent. Oui, mais je l'ai retrouvé. Il a disparu sous la poussière. J'ai fait le ménage. Alors, nos nymphéas. Oh non. Nous n'allons pas nous disputer aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que vous partez demain en Vendée. Nous allons être séparés fort longtemps. Les yeux fermés, je sens qu'on est arrivé. On a fait une bonne moyenne, monsieur le président. Oui, parce que je vous ai dit d'aller plus vite. On n'a jamais roulé à moins de 100 à l'heure, je vous assure. Mais c'est pas un compteur de vitesse, ça. C'est un compteur de mensonges, Alfred. Clotilde! Oh, ma merveille de Clotilde!
Monsieur le Président a fait bon voyage. Oh, Alfred a pris son temps sur la route, mais enfin, nous voici. Donc, pour dire vrai, depuis Tours, on se traîne. Hein? Oh. Totine, je ne rêve pas. Il y a des mojettes. Oh, les mojettes. Ah, j'ai fait des mojettes pour vous, oui, 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 oui. Oh, les mojettes. Ah, non. Ah, des mojettes avec un beau morceau de veau, bien doré, bien tendre. Et le veau, ça vous fait moins de mal. J'aurais quand même droit à mon petit gigot de présalé. Ah, évidemment, tout ce que vous voulez, hein. Pourvu que je puisse veiller sur votre santé. Vous veillez bien sur la mienne. Alors, vous avez bien reçu ma lettre, Clotilde. Nous allons avoir beaucoup d'invités. Mais même que je me suis dit que ce ne serait pas du repos pour vous, monsieur le Président. Ah. Alors. Bon, très chère Clotilde, veuillez... Saint-Vincent, l'après-midi, vendredi, juillet. Si j'ai bien compris, dans 2 jours, vos petits-enfants... La semaine prochaine, Monsieur Pietri pour la journée. Mmh. Et après, une dame très importante. Très importante. Ben, j'espère que tous ces gens vont pas trop vous fatiguer. Non. Alors, Clotilde, une dernière chose. Oui. Faudra bien vérifier les passages du facteur, car j'attends chaque jour une lettre. Capital. Absolument. Tellement capital. Oui, oui, capital, j'ai bien compris. Comment vous remercier pour les beaux timbres du Brésil et des Indes que vous avez envoyés à mon fils Pierre pour sa collection? Il faudra que vous me racontiez tous vos voyages. Existe-t-il un endroit du monde où vous n'êtes pas allé? Fernand est reparti hier pour une série de conférences en Suède et au Danemark. J'envie tous ces voyages. Je n'ai pu l'accompagner qu'une seule fois en Amérique et j'en garde un souvenir heureux. J'avais été reçue par plusieurs clubs féminins pour parler de la place des femmes dans nos sociétés. La place des femmes dans nos sociétés. Comme Pierre, mon père ne parle que de vous. Voilà qui rend plus facile l'aveu que les bonnes manières m'auraient commandé de taire. Mes pensées ne vous quittent pas. Ah, Thérèse, le bon pain de Thérèse. Voilà. Merci. Bonjour, monsieur le Président. Comment ça va, les amis? Ça va, Sébastien. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, toujours belle des salades ici. Merci, monsieur le Président. Bien le bonjour. Bonjour, président. Bonjour. Monsieur le Président. Ah, il y a de la belle sardine, là. Pêché de ce matin, monsieur le Président. Oui, ben, je m'en doute. Monsieur le Président. Comment vont-ils, mes amoureux? Ça va? Bonjour, monsieur le Président. Ouais, ça fait toujours plaisir de vous voir. Ah, mon petit chèvre. Votre petit chèvre, monsieur le Président. Mais il n'y a pas de journée sans petit chèvre. Ouais, bonne journée. Petite pièce pour les orphelins. Merci, monsieur le Président. Bonjour, monsieur le Président. J'ai envie de votre courrier, Alfred. Oui, je sais. Et j'avais bien la lettre que j'attendais. Et je t'en remercie, d'ailleurs. Simplement, j'étais occupé, j'ai pas eu le temps de te remettre celle-là. Voilà. Alors... Vous pouvez compter sur moi, monsieur le Président. Bon. Et ton petit gars, comment il va? Mieux. C'est vous qui aviez raison, monsieur le Président. Il supporte pas le lait. Ah. Et tout ce qui vient du lait, c'est ça qui le rendait malade. Mais c'est un gamin fragile. Et ben alors, on le remet pas au champ. Mets-le plutôt à l'école.
Bonne tournée. Bonne journée. Blandine, qui déclenche les tempêtes dans le cœur des hommes. Ah, oh, monsieur le président. Oh, bah, c'est quoi? Moi, je rêve de toi toutes les nuits. Mais toi, tu me dis que je ne suis pas le seul. Oui, mais à vous, je donne mes meilleurs poissons. Oui, alors justement, ma blonde, justement, il m'en faut un très, très, très frais. Parce que j'accueille un véritable ami, c'est rare, hein, tu vois. Tu penses bien que si c'était un ministre, la pêche de la semaine dernière suffirait. Hein. Oh. Plus frais que ça, monsieur le président, il sera encore à la mer. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Monet. Il m'interroge sur les affaires publiques. Et moi, je m'interroge sur sa santé. Il refuse toujours une nouvelle opération des yeux. Ce ne sont pas ses yeux qui m'inquiètent. C'est cette toux qui lui laisse aucun répit. Il croit que c'est une bronchite. Mais moi, je crains qu'on lui découvre quelque chose de beaucoup plus grave. Tellement, ce bison, là, j'inquiète que pour le gouvernement. Bon, il n'est pas le seul, hein. Vous savez, comme le président de la République est en fâcheuse posture. Mmh. Ce pauvre Millerand n'était décidément pas fait pour ce poste. Le costume est trop grand pour lui. Mmh. Mais vous verrez, un matin, il ira dans le journal qu'il doit démissionner. Ah ben, il démissionnera. Hein. Si Millerand s'en va, le président du Conseil suivra, bien sûr. Mais que ferez-vous sans Poincaré, président? Ah, je me rabattrai sur Briand. Poincaré est intelligent, mais ça lui sert à rien. Briand est un imbécile, et ça lui sert à tout. Poincaré est une machine qui ne produit pas. Il consulte ses dossiers. Parce que là où nous avons des organes, cet homme-là, lui, il a des dossiers. L'estomac, un dossier. Le foie, un dossier. Le cœur, un dossier. Non, là, il n'y a rien. Non. Par pitié, mon cher Pietri, faites en sorte que Poincaré ne prenne pas la parole à mon enterrement. Ça serait mourir deux fois. Ben voilà. Bonne journée. Merci. Tout ce que vous m'écrivez, ma belle amie, m'est bien précieux, mais veillez à ne me parler que de vous et de nous. Voilà, en effet, à quoi j'aspire. Être le seul auprès de vous pour mieux vous aider à renaître. Il faut que le soleil fasse éclore vos sourires, mais aussi la pluie. C'est elle que je préfère. Il a plu hier, et encore ce matin. Eh oui, il pleut, aimable bergère, sur la laine défrisée de votre sinistre mouton. Mon cher Georges, j'ai repris goût au piano. Je retrouve la même sensation que chez Monet. Parce que c'est Annette qui me dit de jouer. Voilà comment me vient toute la force du monde. Grâce à elle. Grâce à vous. Mais voulez-vous bien me refermer ce four ? Ça sera ça le dessert. Oui, vous préféreriez une petite crème, je sais. Et moi, je suis comme votre docteur. Je sais ce qu'il vous faut. Et surtout ce qu'il vous faut pas. Et pourtant, je l'aurais bien mérité. À
Après toute une matinée passée avec Démosthène. Et vous parlez souvent de cet homme-là, monsieur le président. Ah ben, c'est en rapport avec la personne que nous allons bientôt recevoir. La dame, là, que vous disiez, très importante. Exactement. « 15h08. Dans deux minutes, nous devrions entendre le train qui arrive au Sable d'Olonne à 15h10, précise. Et nous allons l'entendre parce qu'au moment où la locomotive aborde la dernière courbe, derrière les arbres, là-bas, le mécanicien fait siffler la machine. Ce sera le signal. »« Quel signal, monsieur le président ?»« Notre signal à nous. Alors, nous démarrons et nous arriverons à la gare au moment où le train débarquera ses passagers. Et dans trois jours... C'est ainsi que je recevrai ma visiteuse. Oui, mais il vaut peut-être mieux être à la gare avant que le train arrive. Je ne veux surtout pas. Il ne faut jamais montrer à une femme qu'on est impatient de la voir. Ah. Alors, dans trois jours, vous arrêterez la voiture devant la gare au moment où ma visiteuse en sortira. Voilà. Hein? Galanterie et respect. Bien. Ah. – 15h10. Magnifique. Bien. Ah, Alfred, ouvrez-moi donc le coffre. – Il est vide, hein, monsieur. Oui, – bah justement. C'est assez grand, ça, pour une malle avec beaucoup de ménage. – Ah oui, bien assez. Faudra rouler moins vite, hein, quand elle sera là. Beaucoup moins vite. Oui, comptez sur moi, monsieur le président. Alfred, faudra monter des vitres. Oui, monsieur le président. Tout est prêt pour votre arrivée, ami si cher. L'idée de vous revoir rajeunit tout, à commencer par moi. Mais quelle erreur j'ai faite en vous demandant de profiter de votre passage à Paris pour voir ma fille Madeleine. Voilà du temps que vous ne passerez pas ici. Je n'ai pas un reproche, mais le grognement d'un ours qui compte la vie en heures. Quant à Madeleine, n'oubliez pas, c'est une rusée. C'est le petit journal, mesdames et messieurs. C'est le grand des petits, le petit des grands. Allez, venez acheter de grands commandes. Mais oui, monsieur, vous faites une bonne affaire. Bonjour, Madeleine. Merci, monsieur. Démosthène, prologue et début de la première partie, que j'ai tapé à la machine. Votre père ne m'avait pas dit que vous vous chargiez de ce travail? Il ne veut pas d'autre secrétaire que moi. Ce qui me permet de lui donner mon avis, même s'il ne me le demande pas. Une coupe ? Une limonade, s'il vous plaît. Merci. Et que pensez-vous de ces pages ? Elles sont excellentes. On voit qu'il ne veut pas vous décevoir. D'ailleurs, il ne parle que de vous. Vous lui êtes indispensable. Je vous le dis sincèrement, vous avez beaucoup de chance, ma chère. Vous m'en voulez, Madeleine ? Mais non, pourquoi, au contraire ? Je vous assure. Cela m'amuse et me réjouit. Il y a longtemps que je n'avais pas vu chez lui autant d'ardeur dans tout. Le travail, la vie. Mais je vous préviens, il est possessif, tyrannique, jaloux. Il va vous épuiser. Je viens d'une famille où l'on apprend à garder pour soi ce que l'on ressent. Et lui me libère de ce poids. Il m'écoute et me comprend. Il me parle de moi. Il me regarde. Je n'avais jamais connu cela avant.
vous semblez bien naïf. Au contraire. Peu de femmes peuvent se flatter d'avoir eu droit à tant d'égards de la part de mon père. Eh bien, à vous deux, vous trouverez bien comment nommer l'étrange phénomène qui se produit entre vous. Mon pays est tout au bonheur de vous recevoir enfin, madame. Et il me dit que vous êtes fort belle. Chez vous, dans mon modeste chez moi. Personne d'autre que moi n'ira cueillir votre bouquet quotidien. Je ne vous ai pas encore dit bonjour, ni merci. Le tour du propriétaire. Propriétaire. J'en déduis que l'océan vous appartient. C'est moi qui appartiens à l'océan, comme à tout ce pays. Parce que je suis l'enfant de tout ça. J'appartiens à tout ce que vous voyez. Mais rien n'est à moi, ni ici, ni ailleurs. C'est la bague de ma fille Annette. J'avais envie de la porter. Je crois que je vais mieux. Au fond, je n'ai qu'un seul reproche à vous faire. Lequel ? Être venu à moi si tard. Le temps n'en fait qu'à sa tête. Toute ma vie, j'ai lutté contre les injustices. Et me voilà face à la seule qui me laisse désarmer. Les années. Les années. Mises entre nous. Elles n'ont pour moi aucune importance. Je vous l'assure. Eh oui, parce que vous comptez en années, pendant que moi je compte en secondes. Allez. Ah, il est beau le père la victoire, tiens. Il aurait dû m'appeler le vieux la défaite. Bonjour, monsieur le président. Blandine. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Bonjour, monsieur le président. Bonjour, les amis. Bonjour, comment ça président. Va? Ça va bien? Madame. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Je les connais tous. Et je les aime.
Ouais, je les aime. C'est une grande famille, vous voyez. Ah, voulez-vous que je vous présente Poincaré? Poincaré est ici? Venez, venez. Bonjour, monsieur le président. Comment ça va, Henri? Vous-même. Ma chère. Bonjour, monsieur. Je vous présente Poincaré. Ouais. Alors, celui-ci est un ami. Georges, vous exagérez. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il est loyal et intelligent, celui-là. Et voilà, monsieur le président. Ah, Alfred, vous avez pu... Eh ben non. Bon, je reviens. Tiens. Merci beaucoup, monsieur le président. Non, mais c'est beaucoup trop. Bon, bon, bon. Colette. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les semaines, le président a ses homards de la part des femmes des pêcheurs. Mais elles veulent pas d'argent. Pourquoi? Mais le président a fait voter une loi autrefois pour qu'elles touchent une pension au cas où la mère leur prendra leur mari. C'est comme pour le loyer de la maison, que le propriétaire refuse qu'il paye. Alors le président donne aux pauvres ce que le loyer lui coûterait. Voilà deux belles soles. Je les ai faites au beurre. En votre honneur, madame. Oui, parce que le beurre, certains n'y ont pas droit. Eh bien oui, certains ne sont pas toujours raisonnables. Marguerite, rappelez-moi de dire dans un des chapitres pourquoi Démosthène parlait si bien des tyrans. Il va en avoir un chez lui. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? C'est beau. Ma fille Marie a fait ce dessin pour vous. Mon père lui a dit que vous étiez le père la victoire. Elle est douée. Je reconnais le cheval. Comment ça faire frais? Voulez-vous rentrer? Peut-être, oui. Allez, allez. Alors, serrez-vous contre moi, comme ça, si vous avez froid, c'est moi qui m'enrhumerai. Vous êtes l'ami merveilleux. Allez, un petit jeu. On dit lettre. Femme brillante et originale, mélancolique, très inutilement modeste. C'est cette même femme, d'ailleurs, qui a fait des progrès dans l'estime de soi, alors que je l'ai connue, moi, repoussant une idée merveilleuse qui lui faisait peur. L'idée qu'on puisse avoir terriblement besoin d'elle. Vous dites qui je veux parler, Mariette? Eh bien, Georges, j'espère que vous parlez de moi. Ce que vous avez écrit est plein de vie. On apprend beaucoup, le personnage fascine, on s'y attache. Maintenant, promettez-moi de vite écrire la suite. Pensez-vous que je puisse vous refuser quelque chose? Jusqu'à présent, vos éditeurs étaient des hommes. Cela était peut-être plus facile pour vous que d'avoir affaire à une femme. Ah, oui, je vois. La place des femmes dans nos sociétés. Vos grandes discussions avec les Américaines. Il m'avait écrit ça, oui. Vous n'avez pas tenu que des propos aimables sur les femmes. Parce que j'ai dit un jour que si on leur donnait le droit de vote, elles iraient demander au curé pour qui voter. Par exemple, oui. Vous avez dit aussi que la médecine n'était pas un métier pour elles. Ah, mais je n'ai jamais dit qu'une femme était incapable de devenir médecin. Elles réussissent leurs études parfois bien mieux que nous. Non, non, je parlais de l'exercice du métier. La médecine, c'est comme la guerre. Faut avoir le cœur bien accroché. Est-ce que cela doit les empêcher de mener leur vie comme elles l'entendent? Mais si quelqu'un s'y oppose, ce n'est pas moi. Combien de fois ai-je répété que la femme et l'homme doivent être égaux et complémentaires sans aucune servitude? Pourtant, dans votre vie personnelle... Quoi, ma vie personnelle? Je voudrais bien savoir. Que Madeleine vous a raconté. Non. Je parle de votre épouse, Marie.
Oui, j'ai négligé Marie. Oui. Oui, j'avais du succès auprès des femmes, j'en ai profité. Oui, je l'ai rejetée et humiliée dès que j'ai appris qu'elle avait un amant. Oui, j'ai obtenu le divorce à ses torts en lui faisant perdre ses droits sur ses enfants. Et alors ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que vous ne sachiez déjà ? Que vous regrettez ? Ce que je déteste encore plus que les regrets, c'est le confessionnal ! Georges. Ah, bonjour, monsieur le président. Bien dormi ? Non, très mal. Bonjour, Clotilde. Notre visiteuse dort encore ? Ah non, madame Baldensperger s'est levée très tôt. Elle n'a pas voulu de mon petit déjeuner. Non. Elle est partie se promener au bord de l'océan. À mon avis... Non, merci. Je regrette. C'est pas malin de pleurer quand on n'a pas de tristesse. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein. Pour faire un bon poulet soubise comme l'aime le président, il faut des oignons. Quand on sera à Paris, je vais l'inviter à déjeuner, je ferai la surprise. Ma famille va se régaler, le président sera content. Tout ça, c'est grâce à vous, Clotilde. Si, si. Merci de m'accepter comme élève. Je le ferai pas pour tout le monde. Hein. Je le ferai même pour personne d'autre, si vous voulez savoir. Ah, mais pour tant d'autres, c'est plus habile que moi. Mais non, vous êtes une bonne personne, vous avez bon cœur. Allez, on va faire blanchir tous les oignons. Mettez ça dans le pot. Et voilà, c'est bien. Voilà, allez. Venez avec moi. Pas trop fort, hein. Les oignons, 5 minutes, pas plus, pour les blanchir. Pendant ce temps-là, on fait fondre le beurre. Et pas trop fort pour pas que ça roussisse. Il ne faudrait pas que ça tourne au brûlé. Vous voyez, c'est facile, madame. Et moi, je dis que pour faire une bonne cuisine, il n'y a qu'un secret. Il faut la faire pour quelqu'un qu'on aime. Marguerite, une dernière promenade au bord de l'océan, ça vous dit ? Je crois que notre plus grand poète, c'est François Villon. Le maître de l'octosyllabe. Moi, j'aime Apollinaire. J'aime la musicalité de ses vers, leur émotion pure. Mmh. Apollinaire. Ouais, je l'ai connu. Il a été un combattant courageux. On l'a enterré le jour de l'armistice. Mais le poète est un peu trop sentimental pour moi. C'est pas un défaut, surtout pour un poète. Je suis jamais arrivé à fixer dans ma mémoire un poème d'Apollinaire. Pourtant... Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Eh ben voilà. Ben, je ne retiens jamais le nom du fleuve. Vous êtes un sale gosse. Mais certainement, Marguerite. Certainement. Je pense que vous aimez Apollinaire autant que j'aime votre mauvaise foi. Thank you.
sous le pont Mirabeau au coup de la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont. Je demeure. J'ai croisé Madame Baldensperger l'autre jour en venant vous voir. Je l'ai trouvée resplendissante. L'air de la Vendée lui fait du bien. Je lui ai proposé l'ouvrage que je veux consacrer à Monet, à ses nymphées. Belle idée. Si vous le permettez, Président, j'aimerais connaître les suites que vous comptez donner à l'invitation que vous avez dû recevoir. Albert a pour instruction de renvoyer toutes les invitations, sauf celles qui concernent les animaux. Celle-là est particulière. Mais si il s'agit de me remettre une médaille, vous savez ce que j'en pense. Il est vrai que personne n'a jamais réussi à vous décorer de quoi que ce soit. Vous avez toujours tout refusé. Même l'Académie française. Bon. Alors que vous avez été élu à titre honorifique. Je n'ai jamais compris pourquoi vous avez toujours refusé d'y siéger. Des gens qui ont refusé Zola, Alphonse Daudet. Ah non, non ça, alors, je suis très fier de n'avoir jamais mis les pieds dans cette assemblée de pions. L'invitation que vous avez reçue concerne une cérémonie qui a lieu ce soir pour saluer le retour aux affaires étrangères d'Aristide Briand, futur prix Nobel de la paix. Et on compte sur moi pour célébrer la messe. Je voulais juste vous signaler que Madame Baldensperger y sera. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Vous avez pu lire les dernières épreuves, hein? Absolument. J'ai appris que le livre sortait en novembre. Bonjour. J'aurais deux mots à vous dire. J'ai eu peur que vous ne veniez pas. Eh bien, quelle surprise! Notre aimable père la victoire, notre tigre national, sorti de sa tanière. Quel honneur! Bonjour, Briand. Alors, te voilà de retour dans ce ministère. Enfin, que veux-tu? Quand le malheur s'acharne sur une maison. Voilà bien longtemps que vos sarcasmes n'ont plus prise sur moi, monsieur le Président. Ben oui. Tel un aigle, tu planes au-dessus de tout ça. Si je dis un aigle, c'est pour ne pas te dépayser. Tu dois voir beaucoup chez tes amis allemands. Oh. Mes idées valent mieux que les vôtres. Je comprends que cela vous gêne. Tes idées? Quelles idées? Les plus hautes qui soient. Celles qui tendent vers la paix. Parce que tu crois qu'en laissant l'Allemagne faire ce qu'elle veut, tu auras la paix? La France vient de dépenser 6 milliards pour ses armées. L'Allemagne, 8. Dans 10 ans, tes idées nous jetteront dans une nouvelle guerre. Eh bien, s'il m'était impossible d'éviter une nouvelle guerre à la France, au moins lui aurais-je épargné que vous soyez président de la République. Ça n'est déjà pas si mal. Alors n'oublie pas que les idées dignes d'être défendues ne poussent que sur un seul terreau, l'intelligence. Tu devrais t'en faire livrer. Vous êtes en train d'insulter un futur prix Nobel de la paix, monsieur. Oh, mes félicitations. Non, quand j'ai appris ça, j'ai été un peu dérouté, je ne te le cache pas. Comme si on me parlait de marins qui ont le mal de mer, de jardiniers qui détestent les roses, de rossignols qui ne connaissent pas Mozart, mais enfin. On s'y fera. Non, décidément, je ne regrette pas de ne jamais t'avoir fait confiance. Allons, Clémenceau, vous n'êtes plus rien, et la terre tourne quand même. Qu'elle ne tourne pas à ton avantage, c'est tout ce qu'on lui demande. À la voyure! Très beau duel, Président. Bien sûr, c'est vous qui avez touché. Il y a un petit salon là-bas, allons-y. Je viens vous parler. Qu'est-ce que vous faites là, Marguerite? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Toutes les maisons d'édition ont été invitées, si c'est ce que vous voulez savoir. Vous êtes aimable. Pardon. Oui, bonjour. Pour ne pas m'en avoir parlé, ne deviez pas vous sentir très fier d'accourir chez ce pantin. Enfin, vous y êtes bien, vous. Parce que vous y êtes. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, bonjour.
Vous êtes donc furieux de me voir au travail ? C'est bien vous qui m'avez dit de faire face, de travailler, de vivre. Vous êtes donc fâché parce que je vous obéis ? Enfin oui, bon. En tout cas, au moins, j'aurais dit ce que je pensais de ce souteneur. Ce souteneur ? Brillant était dans un bordel et il n'en est jamais sorti. Quand il prend la parole, on dirait qu'il s'adresse à des tapineuses. L'œil obscène, la voix visqueuse, d'ailleurs, il parle pas, il bave. Dites-moi que vous n'êtes en colère que pour me faire une merveilleuse scène de jalousie. Oui, oui, bonjour. Oui. Parfaitement. Parfaitement que je suis jaloux. Hein? Au lieu de perdre votre temps ici, vous feriez mieux de m'écrire. Pas d'être hier, pas d'être aujourd'hui. Et maintenant, je sais ce qui vous occupe. Je vous ai écrit hier, aujourd'hui. Qui puis-je? C'est le courrier, du retard. Si vous ne m'aviez pas écrit le 26, vous me l'auriez dit. Le 27, le fait demeure que le 28, rien de vous n'est venu à moi. Voilà. Vous me forcez à brûler vos lettres et les miennes. Qu'est-ce que vous en faites? Des cocottes au papier. Madeleine m'avait prévenu que vous étiez jaloux, possessif et tyrannique. Le sens de la famille. Je l'en remercierai. Je ferais bien, car elle était très en dessous de la vérité. Mais il se trouve que ça me plaît. Vos lettres, je les garde et les garderai toute ma vie. Je les relirai toujours. Je ne devrais pas vous dire tout ça. Vous ne m'appartenez pas, même si moi, je vous appartiens un peu. Beaucoup. Il ne faut pas craindre de parler avec tendresse. Je n'y ai jamais été très habile. Alors c'est peut-être le moment de vous dire que je vis ce que je ne pensais plus vivre. Jusqu'à ce que vous en franchissiez le seuil, ce que j'appelais mon cœur était le royaume des courants d'air, le règne du vide, la seule chose qu'on était sûr d'y trouver. C'était de la place. Vous seul avez su la combler. En Vendée, le matin de notre départ, vous êtes venu dans ma chambre déposer des fleurs. Et à voix basse, vous avez récité Apollinaire. Je ne dormais pas, mais je n'ai pas voulu ouvrir les yeux. Ce jour-là, c'est vous qui avez empli mon cœur. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont. Je demeure. Les mains dans les mains. Restons face à face. Alors le voilà. Enfin. En avant-première spécialement pour vous. Je l'apporterai demain à votre père. Et il vous est dédié, bravo. C'était bien le moins. Quoi, qu'y a-t-il? Hier soir au ministère, il se disait que le maréchal Foch préparait un livre qui accuserait votre père. Qu'il accuserait de quoi? Je vous répète ce que j'ai entendu. D'avoir été un mauvais chef de guerre qui aurait négocié une mauvaise paix. Ce serait un coup de poignard. Il a aimé Foch. Et Foch l'a trahi. C'est pourtant mon père qui lui a obtenu le commandement unique sur les Alliés. Maintenant, Foch veut réécrire l'histoire et s'attribuer la victoire. Quand je pense que c'est Clémenceau qui l'a fait maréchal. Mais alors pourquoi? Foch n'a jamais admis la suprématie des civils sur les militaires. Pour cette raison, mon père l'a écarté des négociations du traité de Versailles. Foch ne l'a pas supporté. Que peut-on faire? Attendre. Et être là. Il se battra. Il se battra d'autant mieux que vous serez à ses côtés. Car vous serez à ses côtés, Marguerite. J'y serai.
président est parti de toute urgence à Giverny. Madame Blanche a téléphoné, monsieur Monet est au plus mal. Ciel est clair, c'est le bon moment. On ne demandait pas pourquoi faire. Pourquoi faire? Pour travailler ou pour mourir. L'hiver doit faire son œuvre. Vous travaillerez au printemps. Oh, vous me contrariez. Merci. Vous êtes content que je vous contrarie à présent? Oui. Parce que je vais mourir en colère. Nous n'avons jamais cessé d'être en colère. Mais ça ne s'arrêtera pas de si tôt. Oui, mais... aujourd'hui, laissez-moi être plus entêté que vous. Dans votre colère, il n'y aurait pas eu vos cathédrales. Sans votre rage, pas de nymphéa. Parce que vous êtes le plus têtu des têtus. Vous avez révélé à l'humanité ce qu'était la lumière. Vous êtes ma vieille bête de génie. Je vous aime, mon vieil ours.
Depuis la mort de Monet, je m'accroche à la vie avec des ongles mous. Quelque chose avec lui s'en est allé de moi. Et maintenant, mon petit frère Albert et ma merveilleuse Clotilde. Que se passe-t-il, Marguerite? Votre mari est venu me voir. Il m'a rappelé ce que disait Montaigne. Tous les jours vont à la mort. Le dernier y arrive. Nous y voilà. C'est maintenant mon tour d'aller voir ailleurs. Notre pacte, Marguerite. Notre pacte. Ne m'abandonnez pas. Monsieur est au jardin. Malgré le froid, il ne veut pas en sortir. Je suis heureux que vous soyez là, madame. Georges, votre lettre m'a fait peur. Je ne vous ai pas reconnu. Avant de partir, Monet m'a embrassé. En me disant, comme je vous aime, qui fera de même maintenant? Qui? Moi. Mon père est là. Dans le jardin avec Madame Baldensperger. Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas le déranger. Je n'ai pas le choix. Allez lui dire que je suis là et que l'attends dans le salon. Foch me présente comme autoritaire et dominateur. Jamais à la hauteur de ce qu'aurait mérité la France. Un vieillard dépassé par les événements. Albert! Ma plume, on en criait. Du papier! Du papier! Beaucoup de papier! Je peux passer sur l'ingratitude de l'homme, mais pas sur le mensonge. Non. Eh bien, Foch, me voici. Et voilà ma fureur! Allez! Voilà, monsieur. Monsieur met-il autre chose? La peau de l'ennemi. Mais enfin, père, Foch est mort depuis un mois. Oui, mais sa parole est vivante. Vivante! Et si je ne fais rien, elle va le rester. Alors je vais lui répondre, publiquement, comme il l'a fait. Je vais écrire un livre. Et vous, Marguerite, vous allez le publier. J'ai le titre, il est parfait. Grandeur et misère d'une victoire. Voilà. Alors je vais défendre mon action politique. Je vais évoquer le risque majeur d'un réarmement de l'Allemagne. Et bien sûr, je vais rappeler à Foch qu'après le chemin des dames, tout le monde demandait sa tête et que je ne l'ai pas donnée. Voilà. Alors voilà. Voilà ce que j'écris. Où seriez-vous à cette heure, mon pauvre maréchal, si je n'avais pas mis ma poitrine entre vous et vos juges? Voilà. Tiens. T'arrives à lire? J'ai l'habitude de vous déchiffrer. Et je constate que votre plume vengeresse a presque troué le papier. J'aurais préféré qu'elle troue le bonhomme. Bon, Madeleine, je vais envoyer Albert chez toi pour prendre la machine. Tu taperas au fur et à mesure. J'appellerai Pietri en renfort. Il faudra retrouver les documents sur la guerre, les preuves, les archives sur la paix. J'en ai brûlé tellement quand j'ai quitté le pouvoir. Alors il faudra trouver ce qui reste, hein? Et je ne veux aucune imprécision sur ma contre-attaque. Aucune. Oh, Marguerite. Marguerite, ma très douce. Vous ne m'en voulez pas si je vous fais défaut. Votre ardeur me fait plaisir, mais elle m'inquiète aussi. Vous savez que vos médecins ont ordonné du repos. Mes médecins? Ils savent me parler de diabète et d'urémie. Ça fait pas une conversation, ça.
Metz. Il est dans un état. J'ai peur qu'il nous fasse un coup de sang. Ne vous inquiétez pas, Marguerite. Chez lui, la vigueur passe toujours par la colère. Foch a été un grand soldat, mais c'est un petit homme. Petit, petit, petit. Tout petit. 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 J'ai rejoint plus tard Clémenceau, parti en Vendée, se reposer après avoir terminé son livre. Sa santé déclinait. Il n'en parlait jamais. Mais je le voyais souffrir et cela me déchirait. La fatigue, ou peut-être le temps qu'il savait compter, le rendait plus tendre et toujours plus aimant. Je suis aux portes de l'éternité, Marguerite. De là, on voit mieux les choses. Ce que j'éprouve pour vous ne me quittera plus. C'est un amour qui ne finira pas. Vous êtes le plus haut, le plus grand sentiment de ma vie. Ce fut notre dernière parenthèse enchantée avant Paris. Et cette nuit sinistre, où le téléphone sonna à 1h45 du matin. Il a voulu être enterré près de son père, à quelques kilomètres de sa maison natale de Vendée. Sans cérémonie, sans mondanité, sans discours ni ministre. Je l'entends encore dire, pour mes obsèques, je ne veux que le strict nécessaire, c'est-à-dire moi. Pas de prêtre, aucun hommage. Il a décidé de tout. Et comme toujours, nous lui avons obéi. Je donnerai tout pour que demain, après-demain, arrive une lettre de Georges. Une lettre égarée dont je bénirai le retard. Ce qu'il me reste à vivre, je le consacrerai à la mémoire de Georges Clémenceau.